Le mot le plus important pour moi, c'est ensemble dans ce thème. Ensemble, pourquoi ? Parce que la crise nous a appris quelque chose, c'est que face aux problématiques nouvelles auxquelles on est confronté, eh bien, on ne s'en sort bien qu'ensemble. Ensemble, c'est important parce que le marché français est certainement l'un des plus talentueux du monde. Nous avons énormément d'expertise, nous avons toujours beaucoup de prix, nous avons beaucoup d'allant, beaucoup de créativité, d'inventivité. Mais on a trop souvent opposé les annonceurs, les agences, les médias, les régies avec les agences ou les annonceurs. Je pense au contraire que nous devons recréer de la vraie valeur ensemble pour le bien de tous. Il faut que les annonceurs rémunèrent correctement les agences, il faut que les médias ne s'appauvrissent pas. Et je suis persuadé que tout ça peut se faire pour le bien des annonceurs, pour le bien du business, pour le bien commun. Pour moi, les agences médias ont deux forces essentielles. La première, c'est la capacité à produire de résultats. C'est la culture du business. C'est vrai que c'est inscrit dans nos gènes depuis très longtemps, mais plus que jamais, on doit recréer de la valeur sur le marché. Et bien entendu, cette façon d'utiliser la data, d'utiliser la compétence et même la culture de nos équipes sur la valeur business est un élément essentiel. Le deuxième point, c'est la capacité à fédérer les savoir-faire. Très souvent, l'agence média est au carrefour de l'ensemble des expertises au service du client. Et nous accompagnons les annonceurs, effectivement, avec un scope très complet. Toutes les agences créatives, les agences de RP, les agences de CRM convergent et sont très souvent fédérées par une agence média qui sait intégrer tous ses savoir-faire, toutes ses compétences. La crise l'a démontré, le digital est désormais partout. Nous avons tous constaté l'évolution fantastique des technologies qui permettent aujourd'hui de communiquer de façon absolument incroyable. Fut un temps où une visioconférence était une prouesse technologique et une exception. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. Donc je pense sincèrement que tout ça est devenu la norme, mais que ce monde devient hybride parce que justement, c'est la coexistence entre le monde physique, le monde réel, tangible, les rencontres, comme on les fait aujourd'hui, en physique, et ça fait du bien. Et en même temps, cette capacité à enregistrer, à broadcaster, à être présent sans être présent, qui caractérise justement ce nouveau monde. Et donc, nous aurons de plus en plus ces technologies imbriquées. Et quelque part, je pense qu'il est grand temps de ne plus opposer d'ailleurs le digital et le réel, si je puis dire. Le digital n'est qu'une part du réel. Et donc, bien entendu, dans notre mode de travail, dans notre rapport au monde même, à travers les interfaces, les écrans, c'est la réalité elle-même qui devient en partie digitalisée. C'est une bonne nouvelle pour nous, puisque nous avons appris dans notre industrie à manipuler ces technologies avec, je pense, beaucoup de dextérité et d'efficacité. La bonne nouvelle, c'est qu'au 1er septembre, tous les salariés de Dentsu en France auront un lieu d'exception au cœur de Paris et surtout un rapport au travail totalement transformé. J'ai passé 8 mois à transformer l'entreprise Dentsu France pour viser une entreprise harmonieuse. Je ne vais pas promettre le bonheur à tous, mais en tout cas, une façon d'être en rapport de télétravail très différent. Nous sommes certainement aujourd'hui avec l'accord de télétravail le plus généreux et le plus souple, le plus innovant du marché, et le tout dans un cadre d'exception, non seulement donc dans notre nouveau building flagship de Place des Ternes à Paris, au 67 avenue de Wagram, mais partout dans le monde avec WeWork, puisque chaque salarié de Dentsu France pourra justement travailler de n'importe où dans le monde dans un WeWork en plus de notre flagship. Ça, c'est une innovation pour laquelle je suis très fier et pour nos équipes, ça fera du bien de se projeter dans un monde extrêmement fluide et ouvert.